Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad médiana là, depuis Mombad police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressés, pas oublier abonner avec Mombad médiana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad médiana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Danger inondation sous plusieurs départements pays d'Haïti. Jeudi matin 16 mars 2023, plusieurs individus à examen envahi espace hôtel plage Wahoo Bay Beach Club Blanc, fait piaille, démenti bilé en pile bagay ak saccagé hôtel plage Wahoo Bay 1 qui sous route nationale numéro 1 nan Karies zone Montri. Bien bonnet jeudi 16 mars 2023, gen deux moun qui mouri en babal nan boukantay kout zam ak la police dans localité Nandal sous route mi balé la chapelle la d'après la police. La justice pays d'Haïti doit chita pressé sous plusieurs dossiers qui en rapport avec Trafic Zamagbal pour juger tout cela qui responsable Trafic Zamagbal Sayo d'après réseau national Cap Défendre Droit Mounio et NDDH. Dans le chapitre insécurité jeudi matin 16 mars 2023, plusieurs individus à examen envahi espace hôtel plage Wahoo Bay Beach Club Blanc fait piaille, démentibilé en pile bagay ak saccagé hôtel plage Wahoo Bay 1 qui sous route nationale numéro 1 dans Karies zone Montri. Diverses images a circulé sur les réseaux sociaux montrent scène pillage ak vandalisme, agents sécurité qui te paraît impuissant, pas de café rien devant des gangs examio. Bien bonnet jeudi 16 mars 2023, gen deux moun qui mouri en babal dans Boukantay Koudzam avec la police dans localité Nandal sur route Mibalé, la chapelle là d'après la police. La police dans Mibalé fait connaître l'état kenbe des jeunes garçons sa yo qui te gen nan men yo fusil automatique calibre 12 ak yon lot qui gen fabrication artisanale. Des individus sa yo te impliqué dans divers actes malhonnêtes qui t'a fait sous population depuis plusieurs semaines. La justice pays d'Haïti doit chita pressé sous plusieurs dossiers qui en rapport avec Trafic Zamagbal pour juger tout cela qui est responsable à Trafic Zamagbal Sayo d'après réseau national Cap Défendre Droit Mounio et NDDH. Parmi dossier Sayo, NDDH a souligné ça qui concernait employé Office National Assurance VSU ou NAM ou FATMA suite à une enquête DCPJ menée dans le mois avril 2021. Dans le chapitre éducation, c'est à partir d'une évaluation indépendante ministère éducation nationale capable d'accord pour une série université la poursuivre programme yo. Ministère éducation nationale averti dans date 15 mars 2023, li pa recevoir pour Kounia aucune demande pour tabaye nouvelle autorisation pour université avec l'autre l'école enseignement supérieur. Dans ce sens, le ministère de l'Éducation nationale dit qu'il référé à décret 30 juin 2021 qui était fait sous organisation, fonctionnement et modernisation enseignement supérieur. Mais il s'est visé renforcer le système assurance qualité qui cap mené dans accréditation internationale et puis bail équivalence diplôme universitaire avec mobilité étudiant. D'après sa ministère de l'Éducation nationale, fait qu'on est. Dans le chapitre télécommunication, toute compagnie téléphone mobile doit enregistrer non tout le monde qui a acheté 4 SIM pour servir à réseau avec service compagnie téléphone mobile Sayo. C'est disons Conseil national télécommunication Konatel dans une note limitée de jeudi 16 mars 2023. Dans ce sens, Konatel dit qu'il y a un délai de semaine pour tout opérateur soumettre un plan d'exécution côté à bon calendrier, une façon pour tout utilisateur capable de conformer à disposition règlement ça d'après Konatel. Dans le chapitre politique, parti politique organisation peuple cap lutte OPL dénonce silence autorité de facto yo qui pas parler du tout dans réunion OEA 15 mars 2023 sur un chita attendé qui doit fait finissement mois mars 2023 entre plusieurs dirigeants politiques et dirigeants gros business dans le pays d'Haïti. Il y a plusieurs acteurs clés tant que dans le niveau national et international qui concernent la réalisation prochaine tabou ça qui visait à approfondir discussion politique yo d'une façon peu capable joindre une tête ensemble acceptable d'après porte-parole parti politique OPL Daniel Syriac. On écoute le capoter plus de détails pour nous. Question table ronde ça dans réunion qui t'a faite au niveau de l'OEA aujourd'hui que nous avons une chance et suivre. Moi attendez vous évoquer question de table ronde ça, vous parlez de lit ne serait-ce qu'en voix et c'est des acteurs internationaux qui plus parler de lui, pas trop tendé et intervenant haïtien yo dans réunion l'OEA ça parler de lui, on voulait parler de Léon Charles qui c'est ambassadeur haïtien dans l'OEA qui représente Haïti, on voulait parler de ministre de facto affaires étrangères là aussi qui était intervenu, pas tendé au parler de lui, pas connaît est-ce que on a un plan de boycottage pour lui ou du moins est-ce que il a fait dilatoire toujours sous question crise Haïti, ils ne pas le résoudre. Donc, est-ce que jusqu'à présent, ils ne pas que gagner un accord normal, un consensus normal qui est capable de permettre de résoudre le problème de sécurité? Si c'est ça que fait, ils ne pas parler de lui. Donc, c'est grave, mais pour le moins, nous entendons gagner des acteurs internationaux qui parlaient de lui, qui dévoilaient leurs projets de réalisation, table ronde dans politique ça en Haïti, qui t'a supposé fait 24, 25, 26 mars. Si t'attendais ça, qui t'a supposé fait finissement mois mars 2023 entre plusieurs dirigeants politiques à gros business dans le pays d'Haïti, c'est ta initiative Yon Moun cap joué rôle mit en jouette pour ancien premier ministre pays Angleterre, Tony Blair, en dans une organisation qui porte nom Intermédiate, d'après sa parti politique OPL, dit Alter Press et Alter Radio. En côté porte-parole OPL, Daniel Syriac, qui a apporté plus de détails pour nous. Nous avons dit depuis avant accord entre guillemets 21 décembre, non, il y a des entités politiques qui montrent très concernées, très préoccupées par la crise haïtienne, qui travaillent dans une dynamique de résolution de crise à travers un consensus inclusif, participatif, qui est doué représenter un consensus national. Et ils travaillent avec des acteurs de la société civile également, avec la constitution du collectif des partis politiques qui a fait déclaration 30 janvier 2023, alors qui vient la dernière, OPL, Petite Dessalines, THTK, Gré, Mopod, Contrapep, La Paix, Union de Clarence Renoir, ils ont accéléré des marches de concertation hein, et avec tous les groupes organisés, tous les groupes porteurs de propositions, notamment groupe Montana, groupe KTPS de sénateur Marie Jean Charles et avec toute l'autre initiative et dans le pays, ils ont discuté avec international là, toute branche dans international là également. Donc ça veut dire et gagner un échange et qui conduit à une conclusion. Il y a un échange global qui conduit à une conclusion pour réaliser table ronde. Je crois que c'est résultat ensemble de démarches de plusieurs mois et qui a abouti à table ronde. Et gagner un émissaire international et qui travaille dans le pays aussi depuis le mois de novembre, c'est Jonathan Powell, qui c'est un ancien sénateur et ancien chef cabinet, ancien premier ministre Tony Blair de la Grande-Bretagne, qui est censé au service des États-Unis, donc qui travaille avec tout acteur et semblait gagner une grande implication dans et programmation table ronde pour réaliser les 24, 25, 26 mars. C'était porte-parole OPL, Daniel Syriac. Toujours dans le chapitre politique, dans une réunion qui t'a faite sur Internet mercredi 15 mars 2023, le gouvernement de facto a mandé l'organisation de l'État américain, OEA, agir vite pour encourager une force militaire à venir déployer dans le pays d'Haïti. Objectif là, c'est pour aider le pays d'Haïti à faire face carré à climat l'intérêt, gagner examen à passer mailler sans garder derrière sur le territoire national là. En côté représentant Haïti dans l'OEA, ambassadeur Léon Charles, capote plus de détails. La réalisation des élections n'aura pas lieu si les conditions de sécurité sur le terrain ne sont pas améliorées. Et c'est sur ce point qu'a insisté le ministre des Affaires étrangères, ainsi que notre présidente, la présidente du Haut Conseil de transition, qui a mentionné le fait qu'aucun pays de la région n'accepterait pas qu'il soit dans la situation dans laquelle Haïti se trouve. Donc elle a mis l'accent sur l'urgence, comme l'a fait le ministre des Affaires étrangères. C'était représentant Haïti dans OEA, ambassadeur Léon Charles. Actualité internationale à collaboratrice nous Marie Farah Fortuny. Assemblée législative Salvador a prolongé pour un mois état urgence pour gérer guerre président Nayib Bukele contre gang violent qui déjà la cause 66 000 jeunes arrestations yo. Prolongation ça 64 sur 84 députés congrès monocaméral l'an approuvé, c'est 12e depuis entrée en vigueur régime exception mois mars 2022. Situation journaliste yo vin pi mal après tremblement de terre pays tikian à cause état urgence là d'après International Press Institute, organisation défense liberté la presse qui paie pour pas plus pression à l'approche élection mi-temps mois mai. Liberté expression en vin pi mal chaque année pays tiki et puis état urgence là ajouter complications en plus pour journalistes yo. C'est ça directeur IPN Fred Maroevich qui en visite Ankara fait connaître. Quantité site coréen qui te dit oui dans l'année 2022 atteint niveau qui plus bas depuis 1970 d'après données qui publiées jeudi 16 mars dans un pays qui a affiché plus faible taux natalité dans le monde là. À peu près 192 000 couples mariés l'année passée d'après statistiques Corée. C'est chiffre qui plus bas depuis 1970, année côté publication première statistique sous sujet paraît. Les marqués tout ont baissé 40% par rapport à l'année 2012 côté 327 couples te inio. Et puis, une femme scientifique soudainement monde la victime harcèlement sexuel soulié travail pendant carrière, c'est ça un sondage international Ipsos pour Fondation Oreal publié jeudi. D'après consultation, environ 5000 monde qui fait recherche dans 117 pays, parmi eux la France, 49% femmes scientifiques disent qu'ils ont personnellement fait face à pour pipiti en situation harcèlement sexuel pendant carrière yo. À peu près moitié après émergence mouvement MeToo dans l'année 2017. Pour 65% nan yo, situation sa ou gen impact négatif sur carrière yo sous 5 continents. Pourtant seulement yon victime sous 5 signalé dans institution yo ye. D'après sondage qui menait dans domaine sciences sociales valadan, technologie, ingénierie, mathématiques dans 50 institutions publiques et privées. Dans chapitre la culture, ministère culture et communication lance un appel pour moun vin pote don pour yo enrichi patrimoine national là. On koute Marie Farah Fortuny qui a pote plus détail pour nous. Ministère culture communication, inviter tout le monde qui gagne objet intérêt patrimonial pour faire un don pour capable enrichir collection Mipana. Dans une note, MCC précise dont ça a contribué pour enrichir patrimoine national. Ministère Culture Communication invite personnes physiques ou bien morales qui gagnent objet intérêt patrimonial qui capable conserver dans une institution nationale, tant que œuvres d'art, livres gros auteurs, anciens outils agricoles, instruments musique, articles religieux, anciens costumes traditionnels ou bien tout bagaille passé qui concernait militaires payants pour faire un don. Ministère dit, il prend engagement public sous site officiel non donateur ensemble avec liste ça recevoir donc ça est capable voyer ou bien remettre dans bureau central ministère culture communication ou bien directement dans musée Panthéon national d'après sa note ministère précisé. Dans chapitre la santé, manger moins ça capable ralentir vieillissement la caïmoun. On écoute Marie Farah Fortuny qui a pour des plus de détails pour nous. Pour première fois, un essai randomisé était fait la caïmoun qui gagne bonne santé et résultat ont été publiés dans revue Nature Aging. Monde qui était participé dans étudiant, c'était adulte qui était gagne bonne santé. Participants ont été gagne entre 20 et 50 l'année, 38 ans en moyenne. Te gen yon majorité femmes, 70%. Découpe yo te pren yo par hasard. Yon parti nan participant yo 105 pounds, te engagé pour diminuer 25% nan quantité calories yo prend pendant de l'année. Yon l'autre parti 59 pounds te continue manger jan ou habitué fèl sans restriction. Et puis génétique lan défini comment gène yo pral utiliser dans chaque cellule. Si toute cellule yo gen même gène, yo pa exprimer même façon dans cellule peau ou bien dans cellule cerveau. Méthylation ADN, c'est un mécanisme épigénétique qui permet de contrôler l'expression gène. Tout évolue en fonction de l'âge et vieillissement moun. À partir échantillon sang qui prend dans le commencement étude à 12 mois, arrivé 24 mois, on mesure taux méthylation ADN volontaire à travers 3 méthodes différentes qui te permettent d'évaluer l'âge biologique moun yo. Si l'âge biologique chaque participant est augmenté entre commencement et fin étude là, il te progressé bien vite dans groupe qui te continué manger normalement. Cependant, différence là faible de à 3% et était capable mettre en évidence avec seulement une dans 3 méthodes yo. Restriction calorique participants yo te pi faible, passé 25% qui te prévoit au commencement. En moyenne, restriction calorique là te l'ordre 12%. Yon façon intéressante, effet sous vieillissement te dépend de quantité de dose calorique qui te prend. Plus moun nan te réussi diminuer apport calorique là, plus effet vieillissement te important. L'autre étude nécessaire pour capable conclure étude là. Sitôt, et c'est qui dirait plus amélioration état vieillissement cellulaire signifie sans doute plus amélioration état santé moun passé allongement dirait vie par exemple d'après étude là. La principale information que je vous présente pour vous. Danger inondation sous plusieurs départements pays d'Haïti. Jeudi matin 16 mars 2023, plusieurs individus examen envahi espace hôtel plage Wahoo Bay Beach Club Blanc fait piaille démantibile en pile bagay ak saccagé hôtel plage Wahoo Bay qui sous route nationale numéro 1 nan Karies, zone Mouri. Bien bonnet jeudi 16 mars 2023, gen 2 moun qui mouri en babal nan boukantay kout zam ak la police nan localité Nandal, sous route Mibale, la chapelle la d'après la police. Nan commune l'asile, département Nip, 4 moun mouri ak plus passé 20 lot tombé malade en bas vomissement ak diarrhée kap frappé nan dernier jou sa yo, moun localité Sanari kap rele an mouri au secours. Malgré le perdi 2-0, mardi soir 14 mars 2023, devant équipe Austin dans Texas, pays États-Unis, club football haïtien Violette passé pour quart finale 2023 Ligue champion Confédération football pays Amérique du Nord, Amérique centrale à Caraïbes, Concacaf. Violette passé parce que l'ité bat Austin 3-0 mardi 7 mars 2023, plus détail dans Alte Sport. Rectorat Université l'État d'Haïti a mandé autorité l'État yo, spécialement ministère environnement et agriculture, prend bon gens disposition pour sauver sac ka sauver dans gros espace forêt Macaya yo ak forêt Depin yo côté di fait pété depuis plusieurs semaines. Dans chapitre la santé dans commune l'asile département Nip, 4 moun mouri ak plus passé 20 lot tombé malade en bas vomissement ak diarrhée k'a frappé dans dernier jour sa yo, moun localité Sanari k'a prélé en moué au secours. Jiskounia poko gen aucune autorité qui visite localité ça, yo poko konnen ki sa ki la cause vomissement ak diarrhée sa yo, gen possibilité pour même l'école ta fermé porte yo nan jou k'ap vini yo si ça arrête comme ça d'après déclaration Marius France, yon habitant nan localité Sanari. Gen yon zone yo relé Sanari nan 3e section a relé Tounade nan commune l'Asile. Donc gen yon pile moun et nan localité yo relé Sanari actuellement qui gen diarrhée, k'ap vomi. Et dans même moun sa yo et gen 4 là qui mouri et ceci dans ti environnement côté yo et non celle ti localité moun yo ye et non ti de l'eau non trou yo prend de l'eau yo consommer donc psychologiquement donc ça capable mettre nous en question donc c'est capable de l'eau ça qui rend moun yo contaminé dans situation ça jusqu'à cette présente minute nous pou ka gen une idée sur maladie ça nous penser parce que si côté au prend de l'eau et c'est moun nan même environnement c'est eux même qui donc dans situation difficile ça donc pour une intervention non qui fait pour une autorité qui fait intervention. C'était un habitant dans la localité Sanari dans département Nip, Marius France. Dans chapitre sport, malgré le perdu 2-0 mardi soir 14 mars 2023 devant équipe Austin dans Texas pays États-Unis, club football haïtien Violette passé pour quart finale 2023 Ligue champion Confédération football pays Amérique du Nord, Amérique centrale à Caraïbes, Concacaf. Violette passé parce que l'ité bat Austin 3-0 mardi 7 mars 2023. Violette Athletic Club pra jouer premier match li dans quart finale mardi 4 avril 2023. La poursuivra dans match en retour probablement République Dominicaine mardi 11 avril 2023. Dans le chapitre environnement, rectorat Université l'État d'Haïti a mandé autorité l'État et spécialement ministère environnement et agriculture prend bon gens disposition pour sauver sa ka sauver dans gros espace forêt Macaya yo ak forêt Depin yo côté di fait pété depuis plusieurs semaines. Pas aucune action concrète qui semblait faite pour stopper di fait ça cap détruit forêt yo d'après rectorat UEH lan dans note limité dehors. Li fait connait situation ça qui bay un pile tête chargée capable la cause diverses conséquences sur environnement global paysan qui déjà nan mauvaise situation. Parc national Macaya ak forêt Depin considéré comme espace environnemental qui fait partie réserve biosphère pays d'Haïti et même Caraïbes blanc, d'après ça, Rectora fait qu'on est. Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, t'a déclaré la forêt nationale réservée dans l'année 1983 et puis réserve biosphère dans l'année 2016. Parc national Macaya, côté gagné un pile espèce qui rat dans plantation avec animaux, cet espace yo dit qui t'a doué protéger pour question biodiversité. N'a rappelé ministère environnement t'a annoncé l'état porter une réponse contre godifé qu'a ravagé forêt yo qui t'a éclaté depuis plusieurs semaines dans forêt des pins ak parc Macaya côté ces deux écosystèmes forestiers qui exceptionnels pour pays. Dans le chapitre de mon Office de protection citoyenne et citoyen dans le pays d'Haïti, OPC, dit être li chargé en pile sous mauvais traitement femmes et garçons à Sibi dans le bureau immigration côté yo vin chercher passeport. OPC dénoncé bastonnade ak zak brutalité en pile monde victime nan moment yo vin fait demande livrer passeport yo pour divers services yo gen droit pour ça. OPC longe douette sous plusieurs agents la police qui t'a impliqué dans plusieurs actions malhonnêtes ak plusieurs dérapages. Gen moun ki même arrivé perdi la vie yo parmi plusieurs incidents regrettables OPC dit li enregistré tant kou nan bureau Pétionville, Delma, Actaba. Malgré mise en place bureau dans différents espaces publics, gen plusieurs centaines contribuables qui pa ka jwenn accès ak service sa yo, sa ki l'ouvri voie pour gen plusieurs formes exploitation, extorsion ak chantage d'après ça OPC fait connaître. Pour mois février 2023, autorité républicaine dominicaine au pimpé vini dans le pays d'Haïti, plus passé 13 000 migrants, femmes et garçons, d'après chiffre, groupe cap appuyé rapatriés réfugiés au gars ramassé. Pour mois février 2023, il y a plus passé 3 000 haïtiens et haïtiennes, autorité républicaine dominicaine au pimpé vini dans le pays d'Haïti, alors que il y a plus passé 8 200 lotes qui décident de retourner dans le pays par propre volonté. Parmi moun qui décidé retourner dans le pays par propre volonté yo, nous joignent 219 femmes enceintes ak 331 timoun qui pas de moun accompagné yo. Plateforme GA dénoncé poursuite rapatriement massif avec diverses pratiques, traite et puis trafic migrants qu'a fait sous frontière nan complicité avec plusieurs militaires dominicains. Toujours dans le chapitre migration, migrants nigériens, haïtiens et colombiens, parmi à peu près 40 000 personnes qui ont demandé asile qui rentrent dans le pays Canada sans papier pendant l'année 2022 à partir frontière entre pays États-Unis et Canada, d'après agence Reuters. D'après le gouvernement Canada, chiffre ça a représenté 9 fois plus pendant l'année 2021 et puis 2 fois plus passé 17 000 qui étaient franchi frontière pendant l'année 2019. C'est ça, agence Reuters rapporté mardi 14 mars 2023. À côté, migrants nigériens, haïtiens et colombiens te représenté presque moitié nan moun qui tap mandé asile yo. Moun sa yo di yo découragé par rapport à la période pour yo tan nan qui trop longue dans pays États-Unis. Détan yo exige autorité yo rétabli sécurité comme ça doit arriver l'école yo. Plusieurs élèves lycée Alexandre Pétion et Daniel Fignolet manifesté mardi 14 mars 2023 dans la Port-au-Prince pour dénoncer climat l'intérêt qui la cause la troublaille dans zone l'école yo depuis plusieurs semaines. Ministère de l'Éducation nationale invité tout candidat qui t'a participé dans l'examen baccalauréat recalé dans le mois février 2023 à l'espace internet li pour joindre résultat yo fait yo. Dans le chapitre la justice, des populations défendent tête li contre gang examio, pas remplacer autorité l'État yo qui rete croisé bras yo qui continue gagner un comportement manfoubin devant climat latéréa qui montre yo pas capable mener bac pays les yo mandé pour force militaire étrangère tavin déplotonner sur territoire national là, c'est disons conseil l'ordre avocat Port-au-Prince qui dit estomaqué sous notre ministère de la justice Médéon en date 7 mars 2023. Haïti doit toujours compter sur force nationale avec toute l'autre ressource moun li gen yo pour kwape groupe gang exam yo, pas gen aucun militaire ni policier français k'ap vinn bataille contre groupe gang exam yo dans pays d'Haïti. C'est déclaration lundi 13 mars 2023, ambassadeur pays la France lan Fabrice Mories dans cérémonie pour décorer ancien premier ministre pays d'Haïti Michel Duvivier Pierre-Louis ak yon nan pi gwo tit la France kont bay moun comme reconnaissance pour ça yo fait. Wap koute 24h sur Alter Radio 106.1 FM en stéréo sur www.alterradio.org ou journal TuneIn avec toute l'autre plateforme internet. Actualité internationale à collaboratrice nous Marie Farah Fortuny. Pays qui ak président Recep Tayyip Erdogan prend décision concernant adhésion Finlande dans l'OTAN qui a annoncé officiellement vendredi 17 mars pendant une visite président finlandais d'après sa Helsinki fait connaître. Pour Kounia, dans la campagne pour réélection, le président Tiklan qui bloquait l'adhésion Finlande à CIED depuis 2022, te laissé comprendre vendredi matin la réponse favorablement à promesse li baye Helsinki pour l'entrée dans l'alliance. L'autre information, secrétaire d'État américain Tony Blinken demande mercredi à Addis Abeba pour enraciner processus paix qui en cours Tigré dans l'Éthiopie pendant une visite qui visait site ou renouer lien avec pays ça allié historique Washington. L'armée nigérienne a tiré semaine passée une trentaine de terroristes groupe djihadistes Boko Haram et puis interpellé 960 autres parmi les femmes et timoun qui étaient couru quitter Nigeria d'après sa source officielle FAFP connaît. Une reconnaissance aérienne militaire permet d'observer 7 mars un mouvement massif moun bo rivière Komadougou-Yobe qui marque frontière entre Nigeria et Nigeria en direction lac Tchad d'après sa télévision publique Télé Sahel fait connaît mardi soir. Image aérienne colonne moun kap marché dans Bousnan te reprendre dans télé et puis diffusé mercredi sous plusieurs sites ministères nigériens défense ak présidence. Voilà, et merci avec tout le monde qui est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne et toujours songer pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babé a chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée, si c'est matin, bon matinée.